Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de me demander, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière joueur avec Rémi, toujours au Paris Saint-Germain, sous les ordres de Christophe Galtier. Bon, petit coup d'œil quand même à tout ce qui s'est passé, ça fait un petit moment qu'on s'est quitté, je vous invite d'ailleurs à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, donc je dis ça fait un moment qu'on s'est quitté, mais ça fait un moment qu'on s'est pas vu dans cette carrière, parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo de sortie, j'ai eu un problème informatique, je vous avais expliqué tout ça lors de la vidéo de Newcastle qui avait suivi le, le mercredi. Mais aujourd'hui, on est bien parti, ça sera la fin de la saison. Et euh, petit coup d'œil à tout ce qui se passe euh, en championnat, vous le savez. On est premier, on est champion, c'est fait, c'est officiel. Il ne reste plus qu'une journée de championnat à faire. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Voilà, on est champion, on est, est content. En Coupe de France, eh bien écoutez, nous sommes en demi-finale face au FC Nantes. Peut-être une finale dans cet épisode de Coupe de France également. En Ligue des Champions, nous sommes en finale face à Manchester City. Mais comme je vous l'ai dit lors du dernier épisode, malheureusement, nous ne pourrons pas jouer cette. cette... cette... Cette, cette rencontre parce que nous avons pris euh, un, un carton jaune un trop de carton jaune voilà, face à Séville notamment et donc voilà, on sera suspendu pour le match pour la finale donc ça c'est vraiment le gros coup dur de, euh, bah de, de cette carrière de cette saison parce que voilà on joue c'est pour ça qu'on fait une, une carrière, quoi. Tu vois, c'est pour jouer une finale de Ligue des Champions. Et malheureusement, nous ne pourrons pas la jouer. Et ouais, ça, c'est une énorme frustration. Donc on programme, on aura évidemment le match de coupe ici face à Nantes. On jouera même le match face à Nice. Et peut-être donc le match ensuite face. Euh, enfin, on simulera même le match face à Nice. Hein, c'est un match de coupe. On simulera le match obligatoirement face à City. On continuera à avancer. On jouera peut-être la finale de coupe de France. Et on avancera pour l'année prochaine. On verra bien ce si qu'on reçoit des offres. Peut-être qu'on passera aussi euh, avec un statut de solitaire majoritaire. On a 42% pour l'instant de, de solitaires et peut-être que dans cet épisode on arrivera à passer la barre des 50%, ce qui fera que, à mon avis, on gagne deux points de général, je pense. Ce serait quand même assez incroyable, on est déjà à 91 de général. Sans plus tarder, allons-y pour ce match face au FC Nantes en demi-finale de cette Coupe de France. On est titulaire mais fatigué, donc ça c'est quand même un point un peu négatif. J'espère quand même que ça va le faire. Et ouais, malheureusement, un peu de fatigue de notre côté. On demandera peut-être à changer, on verra bien en tout cas. Ouais, en tout cas c'est dommage, c'est quand même un petit peu dommage. On va pouvoir euh, y aller pour ce match. Certains m'ont demandé pourquoi j'avais le numéro 26, sachez que c'est ma date d'anniversaire et que j'ai depuis le début. Il est possible que la saison prochaine, on change de numéro en fonction du... Du, du fait que si... Enfin euh, voilà, peut-être cinéma s'en va, etc. Peut-être qu'on récupérera le 10, je sais pas. En tout cas, on essaiera de trouver un numéro qui n'est pas dans cette euh, dans cette équipe du Paris saint germain Parce que je vous rappelle qu'on a quand même le petit... Euh, le petit euh, latéral droit, euh, j'ai perdu son nom. Le petit Nordi Mukile qui a le même numéro que nous, et ça, c'est vraiment nul en fait. C'est vraiment nul. Alors, on pourrait peut-être mettre, euh, euh, non, on peut même pas changer notre numéro. C'est pas pareil ici. Il faudrait qu'on regarde les numéros qui sont dispo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a le 11 éventuellement. Il y a le 11 qui serait disponible. On pourrait peut-être se le prendre dès maintenant. Hein, finalement, le, le numéro 11, ça pourrait être plutôt bien. Et on va le faire, on va le faire directement. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de soucis. On n'aura pas de double numéro un peu éclaté. Vrai que ça, c'est un un truc, que je trouve ça vraiment dommage quoi. Soit ils nous mettent un autre numéro, ils nous proposent autre chose, mais alors franchement, nous laisser le numéro 26, quand t'as deux joueurs avec le numéro 26 qui jouent, c'est quand même un petit peu bizarre. Allez, comme je disais, c'est parti pour ce match. Demi-finale de Coupe de France. Alors évidemment, il y a toujours le trophée pour les demi-finales. Chose que je ne comprends pas du tout. Et en finale, il n'y a aucune cinématique d'entrée à chaque fois. Bref, l'objectif va être de battre cette belle équipe euh, du FC Nantes. On a un tout nouveau numéro. On va essayer de faire honneur à ce joli numéro 11. Voilà, bon, après, je sais que pas en principe, je vais bien avoir le 26. Parce que, comme je vous dis, c'est ma date de naissance. Après, c'est pas très, très grave. Euh, on peut faire une concession, quoi. On peut faire une concession. On va donc y aller, les amis, pour, ce, pour cette demi-finale. On va voir évidemment nos, nos objectifs pour, euh, pour cette demi-finale. Déjà, le premier objectif, ça va être de passer, ça c'est sûr, l'un des matchs de neuf, match l'objectif avancé de victoire, pourquoi pas, et marquer un but de loin, eh ben pourquoi pas les gars, on va essayer de marquer deux buts de loin, <laughs> soyons fous, bon, on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher, c'est parti pour les meilleurs du match. Compliqué, hein compliqué ce match, oh là, même Mbappé n'y arrive pas, 40 minutes de jeu, il se passe rien, dans cette demi-finale, une équipe parisienne totalement à la ramasse, un Rémi totalement à la ramasse aussi, c'est vraiment n'importe quoi ce match. Hein. Allez, c'est la pause. Sur ce score de 0-0 en match. De merde. Pas du bruit tellement <laughs> c'était claqué au sol. Vraiment, là, il se passe absolument rien dans cette rencontre. C'est assez hallucinant. Notre note, elle doit être horrible. Je pas forcément fait attention, mais ça diminuait tout le temps. 5-3. 5-3 de note. Imaginez quand même la, 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 la lourdeur du match. Hein. Franchement, euh, match pourri. Les Nantais, bah, ils font ce qu'ils peuvent en, en soi. Ils jouent bien techniquement. Et, euh, et nous, mais vraiment, il hein, y a... Nous, on a une pas nos passes, mais alors... Nos coéquipiers non plus, Mbappé, il ne sait pas quoi faire avec le ballon. C'est nul. Là, franchement, là, on est sur un... sur un très mauvais match. Regardez, 5 tirs à 0 hein, pour Nantes. Hein. C'est quand même assez hallucinant. Il n'y a vraiment rien qui va dans cette rencontre. Là, nous, on veut bien essayer d'accélérer. Le problème, c'est qu'on est quand même extrêmement fatigué. Je ne vois pas faire des, euh, des rushs comme ça de 150 km. Mais bon, euh, voilà, on essaye. Et on essaye, mais on n'arrive même pas à tirer, quoi. C'est quand même assez hallucinant. Je trouve vraiment, euh, vraiment qu'il y, y a des soucis aujourd'hui. C'est fou. Oh là là, mais regardez ça, ça récupère le ballon, mais ça se gêne du côté du Paris Saint-Germain. C'est catastrophique. Et les Nantais, peut-être pour l'ouverture du score, c'est fait. Eh bien, franchement, bravo le FC Nantes. Mais alors, mais quelle équipe horrible aujourd'hui du Paris Saint-Germain. J'ai envie de sortir, hein, les gars, et je vais sortir. Non, je vais sortir, parce que là, il n'y a vraiment pas d'impact pas aujourd'hui. Non, mais je suis désolé, hein. c'est peut-être nul de faire ça. Mais alors franchement, franchement, au vu de ce qu'on fait aujourd'hui, je me dis que nous, on ne fait rien. Peut-être que Messi arrivera à faire quelque chose. On ne peut pas. En plus, on est fatigué, donc on ne peut même pas dynamiter l'équipe. Je décide de sortir. C'est logique, je pense, parce que voilà, je pense que je, en soi, l'entraîneur pourrait me faire sortir au vu de ma fatigue, euh, au vu du fait que vraiment on n'apporte rien à l'équipe aujourd'hui. On va simuler la fin du match, en espérant évidemment revenir. Et eh bien non, on est éliminé de cette Coupe de France. Victoire du FC Nantes de buts Et eh bien voilà, le FC Nantes qui va se diriger tout droit en finale de cette belle compétition. Et c'est euh, mérité, et franchement, on est, euh, on est mauvais les gars, on est extrêmement mauvais, c'est quand même assez hallucinant de, euh, de voir ça, et franchement c'est même pire que mauvais match, là je pense que c'est un des pires matchs qu'on ait pu jouer, c'est quand même assez fou. Alors qu'est-ce qu'on a, oh a Oh là là, on a plein de trucs là, attendez c'est quoi ça euh, Ah oui, on a pas mal de trucs, des nouveaux, euh, bah, des nouveaux trucs, des nouveaux trucs à, à acheter, alors ça j'aime bien. Voilà, j'aime bien J'aime bien Ouais, on a acheté un yacht de luxe, une villa de luxe ou alors un jet privé vous le savez quand on veut des points de solitaires on va s'acheter un jet privé ça va nous offrir 800 points de solitaire et ça par contre ça peut faire énormément de bien. Et la finale de la Coupe de France sera donc entre le FC Nantes et l'AS Monaco. Et bien écoutez, voilà, franchement, on n'aura pas mérité mieux que ça hein, pour cette demi-finale. On a tellement mal joué que c'était logique. Dernier match de la saison face à Nice, sixième de championnat. Vous le savez, on est déjà champion. Donc on n'a plus rien à jouer. On se retrouve à la fin du match. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, on est remplaçant pour cette rencontre. Et oui, ils ont raison. Ils ont raison. On n'a pas forcément très très bien joué, on vient remplacer Léo Messi dans cette rencontre face à l'OGC Nice, on va bien voir ce que ça va donner. Allez c'est la fin de ce match face à l'OGC Nice, victoire euh, 2 à 0, il y avait 1-0 quand on est rentré en jeu et donc on a marqué un petit but. Histoire de euh, fixer le résultat du match en termes d'objectifs, on n'est pas exceptionnel mais on a quand même une belle note de 9, on aura marqué un but et ce qu'on aura fait les 4 passes dans le camp adverse, j'ai honnêtement un, euh, un doute, je vais vous montrer quand même notre, notre petit but. Voilà, à la 78e minute de jeu, on a déboulé sur le côté, pas de souci, on aurait pu faire une passe, mais on a décidé de marquer, parce qu'il faut savoir que c'est le dernier match de la saison pour nous, et qu'on avait un objectif quand même en tête de nombre de buts marqués par rapport à l'année dernière. On le sait, on avait euh, un objectif, je crois, c'était 59. Parce qu'à Leipzig, on a marqué 59 buts. Je ne suis pas sûr, très honnêtement, qu'on réussisse à passer cette barre des, euh, des 59 réalisations. Donc vous le voyez juste à côté de moi ici. On avait bien le 59 du côté de Lightfish et cette saison. Cette saison, les amis, regardez, 63 buts marqués. On a donc battu notre propre record. Ça, c'est quand même énorme, 63 buts marqués depuis euh, le début de cette saison. 149 pour l'instant, depuis les trois saisons qu'on a fait, 149. Voilà, en, en trois saisons, c'est quand même relativement très, très, très fort. Vous le voyez en haut, match à venir en rouge, euh, ça veut bien dire que nous sommes tout simplement suspendus pour cette rencontre. On va regarder... Alors là, vous êtes le meilleur jour de la saison, mais ça, c'est quand même plutôt cool. Et on va. Euh, nouvelles offres de sponsors. Voilà, on va chercher d'autres des, des, sponsors, pourquoi pas. Ça nous rapporte évidemment des points de fiabilité. Et pause estivale, on va la faire maintenant, vu que c'est terminé pour nous et qu'on est bien en vacances. Et on va se dire qu'on a un repos bien mérité, parce que c'est vrai qu'on a quand même fait une grosse saison, même si on oublie la fin. Franchement, faut oublier la fin de saison, parce qu'elle est quand même très mauvaise, hein. on va pas se mentir. Mais. On peut quand même être, être fier de nous. On va regarder le petit coup d'entraînement qui va bien aussi. Ça fait plaisir. Voilà, histoire que on puisse. Alors, on passera pas à la barre. On passera peut-être le niveau 30-38 dans cet épisode, mais ça sera pas tout de suite parce qu'il va falloir qu'on avance un petit peu. On va continuer. On va les simuler ensemble. Le dernier match de cette saison, dernière performance, ont été décevantes. Euh, oui, non, ça c'est. Alors, ils disent ça évidemment pour ceux qui ne le savent pas. Il dit ça euh, parce que euh, parce que tout simplement euh, je suis suspendu pour le prochain match. Donc normalement voilà, c'est pour ça qu'il me dit ça. J'imagine. En tout cas, euh, activité, 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 tac, tac, tac. Euh, on a quoi Local, qu'est-ce que c'est ah oui, non, c'est le local commercial parce qu'on avait fait un investissement. On avait perdu un petit peu euh, d'argent sur le local commercial. D'ailleurs, on va peut-être le refaire une fois parce qu'on avait perdu hein, de, de l'argent là-dessus. On n'a pas réussi à faire un gros investissement. Donc, on va en refaire un autre. Mais, euh, mais voilà, c'était pour ça. Le, le petit mail et évidemment le match face à, à City. On va être obligé de le simuler rapidement. En espérant évidemment que nos coéquipiers euh, euh, du Paris Saint-Germain fassent le boulot face à City. Est-ce qu'on remporte la Ligue des Champions Oui. Je suis à la fois content et malheureusement un petit peu déçu de ne pas avoir Participer à la fête, mais c'est faible. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe en battant City 3 buts à 1. Un but de. Alors, était, ça a été jusqu'en prolongue, les gars. Ça a été jusqu'en prolongue parce que euh, Foden a marqué le premier but. Hakimi a égalisé 6 minutes plus tard à la 67e minute de jeu. Ensuite, on a été aux prolongations et Marcos Llorente et Neymar ont fait la décision, tout simplement. Et bravo euh, à nous, quand même, pour cette saison en Ligue des Champions. On aura fait un super parcours. Et il sera évidemment l'heure de dresser un bilan de cette saison. Vous le savez, on a fini premier de Ligue 1 sans 1 point, 110 buts marqués. Voilà, c'est quand même relativement très, très fort quand on dépasse la barre des 100 points. Déjà, c'est que on a fait une saison incroyable. Une seule petite défaite. Elle a fait mal cette petite défaite parce qu'on était quand même bien parti pour être invaincu de la saison. Ça n'a pas été le cas. Trophée des champions. Je vous le rappelle qu'on l'a remporté face à Olympique de Marseille en tout début de saison. La Coupe de France a été remportée cette fois par Monaco. Voilà, on a été donc, vous le savez, battu dans cet épisode par le FC Nantes, qui est la deuxième défaite hein, clairement de cette saison. On a fait deux défaites cette saison, voilà, dont celle-là face au FC Nantes. Enfin, franchement, c'est quand même pas cool. La Supercoupe de l'UEFA remportée par City en début de saison, la Ligue des Champions, vous le savez, on l'a remportée. Je vous montre un petit peu ce qu'on a fait parce que c'était quand même très fort. Encore une fois, 23 buts marqués dans la phase de groupe, en finissant premier avec un seul petit match nul. Oh, c'est quand même très très fort. Huitième de finale, on bat Liverpool 5-3 sur ensemble des deux matchs. Quart de finale, on bat Newcastle 2-0 sur ensemble de matchs, 2 1-0, ça suffira à notre bonheur. Séville, on les explose 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et enfin, la finale, battue euh, par. Euh, on, est, bah, on, est, on bat, on bat pardon, Manchester City, on bat les Citizens 3 buts à 1. Donc, ça, c'est quand même plutôt sympa. Les, la Ligue Europa a été remportée par Leverkusen. Et la Conference League remportée par Villarreal face à l'Atalanta. Bergame, voilà pour ce qui concerne les compétitions européennes. On va regarder un petit peu nos stats perso. Savoir si on est déjà euh, meilleur buteur quelque part. Mais oui, on est meilleur buteur de Ligue 1. 45 buts marqués. Ça fait beaucoup là, non Voilà, 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 voilà. On va essayer de faire mieux l'année prochaine parce que je pense qu'on risque de rester au Paris Saint-Germain. Encore une fois, je ne sais pas. Tout dépend des offres qu'on va recevoir dans cet épisode. Peut-être qu'on ne changera pas dans cet épisode, mais peut-être que la semaine prochaine, on sera transféré. Pour l'instant, c'est pas le but. Mais euh, ça peut quand même être sympathique. Les passes D, c'est Mbappé. C'est moi, wesh. Ouais. Qui est le meilleur passeur avec 29 passes D, 22 pour nous et 13 pour Neymar. La l'invincibilité, on s'en fiche un petit peu. Moi, je vais regarder les autres en compétition. Un trophée des champions, bon ok. Coupe de France, on est quand même le meilleur buteur de la Coupe de France avec 5 buts. Euh, au niveau de la Ligue des Champions, on est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 buts. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Est-ce qu'on est le meilleur passeur de la Ligue des Champions ou pas Non, c'est Mbappé encore une fois avec 9 passes D, 8 pour nous. C'est quand même relativement exceptionnel et on va regarder ça d'un peu plus près hein, dans notre euh, menu à nous. Et au niveau des stats, on voit qu'on est le meilleur buteur de l'équipe. 63 buts et 35 passes D. En une petite saison. C'est quand même incroyable. Ce sont des stats euh, de au moins 3 ou 4 saisons. Ça, en général, c'est quand même très, très fort. C'est vraiment très, très fort ce qu'on a fait. Euh, on a pris seulement un plus 1 cette saison, vous le savez, parce qu'on a changé de poste. Donc, au final, on est arrivé avec un moins. Hein, parce on, est, on est arrivé ici, on avait 91 de général. On est repassé à 89 vu qu'on euh, a bifurqué et lié droit. Et on a quand même regagné ces deux petits points. Donc, c'est euh, quand même tout cool. On est arrivé ici plutôt à 90. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on est à 91 et à plus 1. Mais c'est quand même relativement euh, très, très fort. On est l'un des joueurs. On n'est pas forcément le joueur le plus utilisé hein, finalement de l'équipe. Parce qu'on est arrivé un peu plus tard. Mais, euh, mais c'est quand même énorme. Hein. C'est quand même énorme. On a été aussi suspendu pas mal de fois. On voit deux matchs non joués en Ligue des Champions. On a six matchs non joués en Ligue 1. Voilà. Donc forcément, ça, ça joue un petit peu. Mais franchement... Quelle saison on a faite? On, euh, on peut, on peut s'estimer quand même être très très fort, très franchement, puisqu'on tombe à nos stats, c'est quand même très fort: 87 d'accélération, 93 de vitesse, des stats qui pourraient augmenter du coup avec, euh, avec la personnalité, à partir du moment où on passera en dominante euh, solitaire. Mais voilà, mais en endurance, 91, on a 98 aussi de placement offensif, ça c'est important, 96 de canne. Bref, on est très fort les gars, on est très très fort et je pense qu'on sera de plus en plus au fur et à mesure de cette carrière. On va donc désormais pouvoir avancer un petit peu. Donc globalement, quand on voit le petit armoire à trophée de cette saison, elle est quand même relativement bien remplie. Hein. Vainqueur de trois compétitions sur quatre, c'est bien, c'est quand même très très bien. Demi-finale de coupe, ça fait un peu tâche, mais franchement, on peut être fier de nous. Ça n'a pas été mis dans les infos, mais le voici, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain, Christian Eriksen arrive. Euh, voilà, donc euh, on ne se connaît pas le montant parce qu'on n'a pas, le... euh, on a, on a pas eu l'info, donc je ne sais pas pour combien il est arrivé. En tout cas, il est arrivé, alors ça vient renforcer un petit peu le milieu de terrain, surtout en termes d'expérience. Il a quand même 33 ans maintenant, Christian Eriksen. Donc c'est intéressant quand on voit qu'on a un milieu de terrain qui a un petit peu euh, bah, chuté, il n'y a plus grand monde finalement. Hein, on a toujours euh, Edouard Michou, mais c'est quand même un joueur un peu moyen. On a Renato Sanchez qui est toujours là et Evitinia, euh, Danilo Pereira, ça fait du bien peut-être d'avoir un peu de, de joueurs comme Cristiano Ronaldo. On verra bien ce que ça va donner. Allez les amis, nous avons fait un sacré bond dans le temps parce qu'on nous sommes au 2 août 2025. On a donc passé la fin de la saison etc. On a bien commencé notre début de saison, mais pour l'instant on n'a pas fait un seul match. Vous le voyez en haut la barre pour arriver au niveau 38. Euh, bah, Titi la fin. Donc très clairement à la fin de ce match. Normalement on devrait passer au niveau 38. Donc ça c'est quand même plutôt cool. On va juste faire le match ensemble. En tout on va se retrouver à la fin du match face à Monaco. C'est le trophée des champions face au vainqueur de la Coupe de France. Euh, je vous montre un petit peu la personnalité. Ça monte un petit peu, ça monte pas mal. 45% de solitaire. Ça ne sera donc pas dans cet épisode qu'on passera euh, en solitaire dominant euh, plus plus. Hein, avec du coup euh, les stades d'accélération de vitesse et de finition augmentés. Mais ça va être quand même assez, euh, assez rapide. Donc ça va être quand même plutôt plutôt cool. Voilà les amis pour ça. On va donc jouer ce match face à l'AS Monaco. On est titulaire, je pense. Voilà, tout va bien pour nous et on se retrouve donc à la fin pour voir tout ça. Allez, c'est la fin de ce match face à l'AS Monaco. Victoire 2 à 0, notre premier doublé de la saison. La saison commence bien. Voilà, premier match officiel et premier euh, but avec un S, c'est parfait. Pour ce trophée des champions, on passera la, la cinématique. Je ne sais même pas s'il y a une remise de trophée. En tout cas, on est homme du match. Ça démontre qu'on peut encore une fois faire, euh, pourquoi pas, un peu mieux que la saison passée. Euh, C'est quand même plutôt sympa. Je vais vous montrer quand même les buts avant de se quitter. J'allais partir comme ça. But à la 21e minute de jeu, sur un ballon récupéré par Danilo Pereira. Le ballon qui va nous, nous revenir simplement. Et là, on frappe du gauche. Pleine lucarne. Elle est belle parce que franchement, elle n'est pas évidente à, à frapper. Celle-ci, on était bien pris quand même par le défenseur, franchement. Donc voilà, on s'en est quand même plutôt très très bien sorti sur cette action. Et enfin, but à la 88e minute de jeu. On a attendu un petit peu. Un bon ballon donné par Mbappé. Il n'a pas grand chose à dire cette passe décisive. Et derrière, forcément, nous, on ne loupe pas le cadre. Ça fait, euh, fait 2-0. Ça fait victoire. Ça fait première victoire de la saison et première victoire très importante. Et surtout, on passe encore une fois un nouveau palier. On passe au niveau 38. Donc ça, c'est quand même la très très bonne opération. Et également, plus 25 de notre manager parce qu'on réussit tous les objectifs. Voilà un début de saison réussi. Je pense qu'on ne peut pas dire grand chose de plus. On va regarder évidemment. Donc on a quoi On a activité, victoire en Derby, évidemment, parce qu'on le sait que le même que Paris-Monaco c'est un derby évidemment ça c'est ça c'est clair pour tout le monde ah d'accord ok bah, très bien ok bon bah je vais, je vais prendre des notes hein. euh, on va regarder évidemment où on va mettre nos points de compétence on pourrait hein, on pourrait valider notre enfin euh, ce truc là au niveau des passes ça ferait du bien hein, euh, ça nous permettra de gagner 3 points de vista et 4 points d'effet c'est quand même pas mal euh, voilà et il reste 2 points de compétence on va les mettre en tir je pense euh, on devrait avoir assez voilà volé et, euh, et finition et volé je pense que ça va être intéressant et il y a juste volé ici bon on va peut-être mettre la voler, euh, ça peut être plutôt pas mal. Le reste de toute façon on n'a pas trop de, on avait quoi On avait les mauvais pieds. Les mauvais pieds, ça aurait pu être intéressant aussi parce qu'on est quand même pas très bon du pied gauche. Ça, je l'ai, je l'ai remarqué. Donc ça, faudrait quand même y penser à un moment donné. Euh, et après, ouais, on a les puissances, penalty, etc. on pourrait faire ça aussi. On pourrait faire ça aussi parce qu'on a, on manque un peu de puissance de frappe. Et ça serait plutôt pas mal de faire, de faire ça. On va faire ça. Tiens les gars, puissance de frappe, ça peut être plutôt. Plutôt cool. Est-ce qu'on a gagné un petit point Ça me Je pense qu'on va rester à 91 de général euh, tranquillement. Voilà, c'est normal. En tout cas, on continue à bien progresser. Bah écoutez, on avance tranquillement. Mais je pense qu'on va se quitter bientôt. De toute façon, on va avancer là jusqu'au prochain match face, euh, face à Lille. Mais voilà, j'ai pas l'impression qu'on ait d'offres de transfert de toute façon. Mais euh, je pense qu'on vaut un petit peu trop cher. Je sais pas combien on vaut, les gars, mais on doit valoir une, une flampée. Hein. Valeur marchande, 288 millions d'euros. C'est quand même assez énorme. Voilà, ça fait un peu beaucoup. On a un salaire intéressant. C'est vrai qu'on aurait. J'aimerais bien pouvoir négocier mon salaire. Malheureusement, ça on ne peut pas le faire. Euh, et pour avoir un meilleur salaire, il faut absolument partir. Bon, pour l'instant, je vous l'avais dit, hein, cette saison, je ne pense pas qu'on partira, qu partira du côté euh, du Paris saint germain Par contre, on avancera beaucoup plus vite dans cette Carrière, euh, voilà on risque d'avancer euh, voilà en deux épisodes je pense qu'on est arrivé à la mi-saison assez facilement parce que voilà le but ça va vraiment être d'avancer vite et de pouvoir surtout voir dire si on est ballon d'or on le saura pas la semaine prochaine mais peut-être dans deux semaines voilà on verra bien en tout cas je pense qu'on va s'arrêter là et euh, voilà, au niveau de la personnalité toujours pas mal 45% de solitaire c'est nickel et eh bien écoutez les amis on est plutôt pas mal, on va se laisser là-dessus. Je vous invite évidemment à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. On se retrouve donc dès demain pour la carrière avec Newcastle et dans une semaine pour la carrière et la suite de cette belle carrière joueur avec Rémi. Merci beaucoup les amis, je vous fais d'énormes cœurs sur vous. Prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important. C'était Rémi. Bisous, bisous.